aujourd'hui est la journée internationale de l'épargne. Célébration de l'édition 2022 de la journée mondiale de l'épargne. Je veux ONG, la société d'inclusion financière CIF Group en abrégé, sacrifie à la tradition. Épargner demeure important, mais se faire aujourd'hui différemment. L'épargne est source de sécurité. Ainsi, savoir que l'on a de l'argent de côté pour ses vieux jours, pour les études des enfants ou en cas de crise, permet d'être serein. L'épargne garantit aussi l'indépendance financière et donc une plus grande flexibilité. Que notre objectif principal soit le besoin de sécurité ou l'accomplissement d'un rêve. L'épargne nous concerne tous. Nous y pensons en fin de mois et particulièrement en octobre. Cette journée qui visait à l'origine à attirer l'attention de la population sur l'importance de l'épargne pour l'ensemble de la société, n'a rien perdu de son actualité. Épargner est et reste important. Et cette journée mondiale de l'épargne à Dangbo, ce jeudi 3 novembre 2022, c'était aussi une causerie, débat. Épargner, c'est vraiment primordial de nos jours. Épargner nous permettra ou nous permet de bien planifier notre futur, de bien planifier notre budget et de bien voir comment nous pourrions quand même dépenser ou dans quoi on pourrait quand même mettre telle somme ou telle somme. Épargner nous permettra quand même de savoir ce à quoi on s'attend dans le futur. Épargner nous permettra également de pouvoir mieux concrétiser nos différents projets que nous avions planifiés. Épargner nous permettra également d'atteindre nos différents objectifs en termes de besoins vitaux, en termes de besoins socio-économiques et bien d'autres choses dans le présent, tant dans le futur. Quand on parle de l'épargne, ça ne concerne pas uniquement les travailleurs. Ça concerne aussi les écoliers que les cultivateurs. Donc. Les artisans. Oui. Donc quand on dit épargner, c'est de façon générale. Donc selon moi, épargner est vraiment primordial dans la vie de tout le monde. Merci beaucoup. Mais nous constatons aujourd'hui qu'il y a des gens qui sont réticents et n'aiment pas épargner parce que pour ces gens, ils ne sont pas très sûrs de là où il faut mettre l'argent. Est-ce qu'il y a une garantie autour? Qu'est-ce que vous pensez de cela? Est-ce une bonne réflexion, le fait de ne pas vouloir épargner parce qu'on pense que... Jeunesse et emploi vert. Pour une économie verte, reconnaissante vis-à-vis de ses partenaires, remercie. La journée mondiale d'épargne est la bienvenue au sein de Je veux ONG. Et par là, nous remercions sincèrement le docteur Eugène Aguermont, PCA de l'ONG Action Sociale, et qui nous avait orientés en son temps et dans cette célébration. Et nous remercions aussi au passage le partenaire financier et technique CIF Group, et toutes les organisations et institutions financières qui ont accompagné l'événement. Henri Toti, directeur exécutif de Je veux ONG, revient ici sur le sens réel de l'épargne et rappelle. Quand on parle d'épargne, ça concerne les enfants, comme ils l'ont si bien stipulé dans le panel tout à l'heure. Mais les enfants, c'est plus ou moins aussi dangereux parce que l'épargne constitue un dépôt. Un dépôt financier, mais les enfants n'ont pas un revenu, mensuel pour pouvoir déposer. Mais dans notre culture, on a cette habitude-là depuis l'enfance de faire de petites épargnes à la maison. Ça, c'est l'épargne endogène, c'est-à-dire nous mettons en place de petites caisses, de petits coins sécurisés pour mettre quelques fonds dedans afin de subvenir à nos besoins. C'est plus endogène. En dehors de ça, nous avons une épargne plus officielle et institutionnalisée qui est l'épargne que nous voyons aujourd'hui. Et là, je remercie sincèrement le gouvernement qui a mis vraiment, qui a toiletté vraiment ce domaine-là au niveau de toutes les contrées, de toutes les communes du Bénin. Et aujourd'hui, les institutions financières que vous aviez, c'est des institutions financières vraiment accréditées où vous pouvez déposer vos fonds.
et dormir en paix, comme on le dit. Et donc, nous conseillons l'épargne à tout un chacun de nous pour sécuriser notre avenir, je dirais, financier à la retraite lorsque l'âge augmentera plus à notre niveau et qu'on n'aura plus le même dynamisme. L'épargne, c'est aussi une prévoyance, prévoyance retraite bien sûr, et prévoyance en cas de catastrophe, d'aléas et autres, et nous pouvons faire retour à ce gain, à cette cotisation pour pouvoir subvenir à nos besoins, régler les problèmes un temps soit peu. Journée mondiale de l'épargne à Dangbo. Jeunesse et emploi vert pour une économie verte, ça sacrifie la tradition, ce qui a permis aux participants d'en tirer le maximum de consignes sur les avantages que procure l'épargne.